Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 10e vidéo, et oui, déjà la 10e. Alors là, c'est un circuit qui me fait énormément plaisir. Vous le voyez là, le Nürburgring. Oui, alors c'est la version avec tout le Nordschleife avec le circuit du Grand Prix. Voilà, alors j'ai gardé la voiture de la dernière vidéo, parce que sinon ça va être très long, très très long. Eh oui, donc je vais quand même faire le petit historique, donc sélectionner la piste, voilà. Je sélectionne, voilà, le circuit Nürburgring 9DG, la boucle du Nord servi, j'ai pas vu, pendant près de 80 ans. Ouais, c'est dommage, la description c'est un peu vite. Hein. Fermé uniquement... En cas de course, l'absence générale de limitation de vitesse et intersection fait de Nordschleife une destination très prisée par les fans de course automobile. Donc, on la sélectionne. On sélectionne toujours la première, on avait dit. Donc, comme ça, on a le Grand Prix avec. Voilà. On garde cette voiture-là et on va faire comment ces courses. Ah, c'est un circuit qui me plaît, ça. Ça, c'est mon préféré. En un tour, hein, de toute façon, heureusement, parce que je crois que c'est quand même assez long. Il y aurait plus de 25 km. Virage, j'ai pas vu le nombre. Ah non, il donne pas le nombre de virages. Il donne pas le nombre de virages. Dans Project Car, il donne le nombre de virages. Il disait 92, je crois. Mais c'était sans la version avec la version Grand Prix. Donc, je crois qu'il y en a un peu plus. Mais bon, on s'en fout, on est là. On va faire cette course-là. Commencer, voilà. En espérant de pas faire une merde comme à la dernière vidéo, ça serait pas mal. Alors d'après ce que je vois, on commence par le circuit. Vas-y, passez tous, ça m'évitera de casser la voiture. Alors d'habitude, ce circuit-là, je le fais avec le volant sur Project Car sur le PC. Là, c'est un peu une première sur la Xbox One, avec la manette. Donc je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Enfin, j'espère que ce circuit va vous plaire. Moi, personnellement, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, sur Project Car, je fais quasiment celui-là tout le temps. Et là, on n'est pas sur Project Car. On est sur Forza Motorsport 5. Virage correct. J'en ai doublé un, mais proprement. Ah, voilà. Ma partie préférée. Voilà, ça y est, on y est là. Ah, on va se faire plaisir. Bon, déjà, ça commence bien. On va essayer de pas casser la voiture, ça serait pas mal. Oh là. Oh là là, ça commence très mal. Ah! Bon, de
Déjà, j'ai ma voiture qui tire à droite. Déjà, c'est très mauvais. Ah, ça va être chaud parce que là, faire 20 km comme ça va être tendu. Ouais, effectivement, 20 km comme ça, c'est hard. C'est quand même fidèlement reproduit parce que je m'aperçois qu'entre Project Car et Forza Horizon et Forza Motorsport 5, il y a très peu de différence au niveau du circuit. Hein. Enfin, je dirais même qu'il n'y en a pas du tout. C'est surtout le décor qui change un peu. Mais c'est léger, hein. Faut vraiment les connaître par cœur pour s'en apercevoir. Hein. Ah si, puis les tags au sol. Ah! Je suis arrivé trop vite. Je suis arrivé un peu vite. Ah! Par contre, quand ça veut pas tourner, ça tourne pas. Hein. Sur Project Car, ça se pilote un peu mieux quand même, je trouve. Hein. Mais là, c'est une catastrophe parce que ma voiture, en fait. Elle braque à gauche, pas à droite, je veux dire. Ça veut dire que si je fais pas gaffe, normalement ici je suis pied dedans. Project Car, je suis au taquet, je freine seulement là. Mais là, c'est pas le cas du tout. Donc c'est assez perturbant, je trouve. Ah ouais, c'est très très perturbant. Ça se pilote vraiment pas pareil. Bon, déjà d'une, parce que je sais qu'une manette. Et ça réagit pas pareil du tout en fait. Hein. Ah, déjà ma voiture, j'ai un problème technique dessus. Ah, mais en plus de temps en temps, bah, ça pixelise là mon histoire là. Bon bah ça y est, voilà. Bon. Là ça me plaît moins là. Pourquoi je pars en cacahuète? Bon bah c'est encore une course où je vais pas finir premier là. Mais déjà j'arrive pas à la conduire, c'est parce qu'elle part à... ouais, ok.
Déjà, j'ai beaucoup de mal parce que déjà, elle braque. Elle braque à droite, j'ai du parallélisme. Et ce qui fait que c'est très très compliqué à conduire. Et puis là, en plus, ça freine pas des masses. Ça se conduit pas pareil. C'est faux. Ah ouais, non mais là en fait, je suis en train de perdre en vitesse. C'est là qu'on voit une différence entre un volant et une manette, hein. Ah, et puis en plus, il me fait chier ce stream là de pour jouer sur le PC là. Ça pixelise au moins, il faut pas. Messieurs de chez Microsoft, il va falloir améliorer ça. Parce que là, c'est pas gérable en fait aussi. Hein. Je pense qu'il y a ça. Et regardez comment ça pixelise. Voilà, on y arrive. Eh ben, j'ai fini dernier. La honte. Ouh. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait un circuit de plus, une balade en plus. Avec une voiture que j'ai ruinée. Ouais, défoncez la voiture. Je suis pas si loin que ça en fait, hein. Quasiment 120 millième. Bon bah écoute, c'est pas mal. Je pensais que ça aurait été pire, mais ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Bah c'était la 10e vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao tout le monde.